que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le Dyson Airwrap. On a décidé en fait de vous montrer un peu comment ça fonctionnait parce que Roman, pour son anniversaire, a décidé de claquer 450 €, voilà, dans le nouveau Dyson. Du coup, bah, elle m'a proposé de faire une vidéo avec pour un petit peu vous montrer. Si vous avez suivi ma vidéo, le vlog à Paris, quand j'ai été printemps Haussmann, j'ai eu l'occasion de tester donc le Dyson et moi j'étais pas très pour au début parce que je me disais c'est hyper cher pour ce que c'est, c'est voilà, c'est 450 € claqués pour un sèche-cheveux et un lisseur, etc. Et donc j'ai eu l'occasion de le tester et franchement la dame m'a convaincue. Enfin après vous allez me dire technique commerciale, c'est du marketing, mais franchement ça va très 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 bien. Et ici c'était juste une petite vidéo pour vous montrer, on va réaliser des boucles avec donc le Dyson et vous montrer à quel point ça va rapidement et surtout facilement. Donc pour un petit peu vous expliquer, elle a reçu ça dans un coffret qui se présente comme ceci, où il est noté donc Dyson. Très sophistiqué. Oui, ben encore heureux à ce prix-là. Ouais, j'avoue. C'est moi, j'explique. Il y a un petit tapis antidérapant pour oui, ça va, quand c'est chaud. Et c'est important de le dire parce que comme ça, on brûle pas l'évier. Après, il y a tous les accessoires. Ça, c'est pour le lissage. J'ai fait nix. Et alors, ça, c'est pour les boucles. Les petites boucles, les petites boucles, les grosses boucles. Et ça, c'est une le sèche-cheveux. Voilà. L'effet Coanda. Voilà, ça s'appelle l'effet Coanda. Donc, en fait, dans chaque brosse et dans chaque embout, vous avez de l'air qui circule. Ce qui fait que plutôt que de poser, par exemple, comme un lisseur ou un boucleur traditionnel, la plaque chaude sur vos cheveux, en fait, ça se fait avec de l'air. Donc, comme si vous faisiez un brushing aux sèche-cheveux avec une brosse ronde, sauf que là bah, c'est fatalement plus facile, vous allez le voir, c'est vraiment très très simple d'utilisation et c'est sans température extrême. Voilà, donc parce que c'est tout par l'air, donc il faut choisir air chaud, froid et tout, comme ça il n'y a pas de température extrême sur les cheveux. Ça on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je serai ravie de vous expliquer, ou même Roman. Ce qu'on va tester aujourd'hui, c'est les boucles. On va prendre les petites. Pour faire un peu comme les photos Instagram, on va d'abord commencer par des petites boucles sur les extrémités et par après, pour l'arrière, on va faire un mix et on prendra les plus grosses boucles parce que bah, déjà ça va plus vite et en plus c'est très joli. Du coup, c'est parti. Ce qu'elle a appliqué, c'est d'abord ultra doux, l'huile merveilleuse. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une routine cheveux. Je veux bien vous la faire, par contre voilà, nous on utilise vraiment que des soins qui sont petit prix ou de grande surface pour nos cheveux parce que on a du kérastase vraiment de temps en temps. Ce qu'on va aussi utiliser, c'est des petites pinces que Roman a commandées sur Shein, voilà, comme ça ça va être tout facile pour délimiter les cheveux. Vous avez en fait trois touches, la première c'est pour l'allumer. La deuxième... Non. Il y en a une, c'est le flux d'air, l'autre c'est la température et ça c'est on-off et air froid. Ce qui est important à savoir, c'est que il faut le faire 15 secondes avec de l'air chaud et 10 secondes avec de l'air froid. 15 secondes avec l'air chaud pour tout simplement former la boucle et 10 secondes pour la fixer. Vous allez voir que quand on active le sèche-cheveux, il suffit de le mettre devant et la mèche va glisser toute seule dedans. Et puis on remonte tout doucement et voilà. Je sais pas pourquoi c'est trop chaud. Maintenant je mets de l'air froid pour fixer la mèche. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il faut bien prendre des mèches qui soient pas trop grandes, surtout quand on a des cheveux qui sont longs, parce que sinon vous n'arrivez pas à l'enrouler dans... Enfin vous voyez, ça dépasse, les cheveux dépassent jusque là et là il y a plus d'air, donc ben, fatalement ça ne boucle pas. Donc là on vient de terminer la première partie, enfin le côté droit des cheveux. Bon là évidemment c'est pas très joli parce qu'il faut les détendre, etc.
trying to get me, who is she tipsy? I had enough combo for 24. Eden Shoulder. Attends. Voilà, je vais venir prendre une huile. Donc celle-ci, c'est l'huile Sacha Juan Stockholm. J'ai reçu ça chez Sephora dans les échantillons. C'est une brume, donc un spray coiffant. Justement quand vous faites des boucles ou quand vous êtes en vacances et que vous voulez avoir les cheveux qui soient assez... comment ? Coiffé, décoiffé. Voilà, c'est l'effet coiffé, décoiffé en fait. C'est tout à fait ça. Une fois qu'on a appliqué le spray, on vient avec les mains vraiment ouvrir les boucles. Donc je viens comme ça les dégrossir en fait. Hein, tout simplement. Je vais me ramener en bombe, bébé. Romain, tu me fatigues. Pardon, mais j'aimerais bien faire la fin. Bon voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez que les boucles de... Oula, les boucles de Roman sont moi en tout cas je trouve... C'est beau hein, tu m'as même pas dit ce que t'en pensais. Ouais, c'est machallah. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer comment ce fer là s'utilisait. Et puis un peu pour amortir les frais en faisant une petite vidéo. C'était pas mal aussi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. À activer la petite clochette pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!